Il reste deux exercices encore, et même trois pour Natalia Chapachnikova, que nous allons découvrir maintenant sur le sol, dans un de ses exercices favoris. La voici. Elle est elle aussi, je vous le rappelle, pour l'instant au classement, deuxième ex-aequo avec Nadia Comaneci. Admirez la grâce de cette soviétique, mais toutes les soviétiques sont pratiquement identiques au sol. Ce n'est que de la féminité. La rapidité et la double vrille pour terminer cette diagonale. Regardez comme c'est gracieux. Elle est sortie du tapis. Ah, dommage, elle est sortie du tapis. Ça va lui coûter quelques centièmes de points. Elle sourit pourtant. J'ai eu l'impression qu'elle sortait du tapis. Mais c'est peut-être une illusion d'optique, il faut voir. Elle est très applaudie par le public soviétique, qui l'aime beaucoup. J'aurais bien aimé voir le ralenti de cette troisième diagonale de Chapachnikova. Il m'a semblé qu'elle mettait le pied en dehors du tapis. Mais c'est peut-être une impression, une illusion d'optique. De toute façon, la note qu'elle va avoir va nous confirmer tout de suite si j'ai bien ou si j'ai mal vu. Ah non, j'ai bien vu, 9,75 seulement. C'est bien ce qu'il me semblait. De 75 seulement à cause de cette petite erreur. Sa prestation par elle-même n'est pas inquiétante. Ce n'est pas ça qui lui a fait perdre des points, c'est le fait qu'elle soit sortie, alors que la note que vous avez vue s'inscrire à gauche de votre écran correspond à la prestation de Nelly Kim qui, pendant ce temps-là, passait à la poutre et qui était la dernière concurrente de cette poutre. Le réalisateur a fait le choix du sol. Il ne nous a pas déçus car c'était très beau à voir. Malheureusement, Chapochnikova a perdu des centièmes de seconde en sortant du tapis. Ah, dommage. Dommage pour elle. C'est, j'allais dire, tant mieux pour Nadia Comaneci, mais je ne suis pas partie prenante du tout dans cette épreuve. Je trouve que les 4 ou 5 filles qui sont en tête se valent toutes. Elles sont toutes aussi belles, aussi souples. Et quelle que soit celle qui marche sur la plus haute, qui monte sur la plus haute marche du podium, elle l'aura certes méritée, mais les autres n'auront pas démérité. Au sol pour l'instant, vous apercevez Galina Marinova, la Bulgare, qui a fait 9,80 hier à cet exercice. Pour y voir plus clair au cours de cette deuxième rotation, je vous rappelle que c'est la deuxième, nous avons vu tout à l'heure en direct toute la première et une partie de la deuxième. Il s'agit ici de la fin de la deuxième rotation. Pour y voir beaucoup plus clair sur le classement des trois premières, nous attendons encore au sol, tout de suite après Galina Marinova, Yelena Davidova. Un double salto qu'elle a un peu raté, qu'elle a essayé de compenser par un mouvement tout de suite derrière, mais ça ne trompe pas les juges, je pense.
équipe bulgare. Très intéressante. Sixième au classement par équipe avec de fortes individualités comme cette jeune fille que vous venez de voir. Galina Marinova, mais il y a aussi Krasimira Toneva et celle qui est le mieux placée pour l'instant. Sylvia Topalova, 15e. Très bonne à la poutre notamment. Alors que Madame Messé-Jumel, elle a raison, on voit beaucoup mieux. On peut distinguer en particulier depuis le public avec des jumelles ce que nous, nous voyons grâce aux caméras de la télévision soviétique, c'est-à-dire des gros plans sur les petites frimousses des jeunes filles, ici, les soviétiques. Natalia Chapachnikova, déçue, qui va perdre probablement sa deuxième place. De même que Emilia Eberle a probablement perdu une chance de médaille. Et alors que Nadia Comaneci va avoir bien du mal à conserver son titre olympique. Mais voici au sol Yelena Davidova. Là encore, ça vaut la peine, regardez. Toutes les soviétiques font à peu près ce qu'elle fait. Elles le font toutes avec talent, mais elle peut-être avec plus de talent que les autres. Pour la petite histoire, je vous signale qu'hier, elle a eu 10. Et toujours cette grâce qui est vraiment l'élément essentiel du programme des soviétiques au sol. Qu'on ne trouve pas chez les Roumaines. Un peu de musique arabe en passant. Et la tête qui bouge. D'ordinaire, les juges n'aiment pas tellement ça, mais hier, ils ont beaucoup apprécié. On verra s'il en est de même aujourd'hui. Double vrille pour terminer cette troisième diagonale. Fort applaudi par le public. Regardez comme c'est beau. Merveilleux. Merveilleux. Yelena Davidova. Qui fait un malheur. On va voir la note qu'elle a, mais elle risque de passer peut-être même devant Eberle. On va faire les comptes tout à l'heure. Alors au départ, elle n'était vraiment pas loin, Davidova. Follement acclamée par le public soviétique. Elle a 19 ans. Ah, elle n'a pas eu les livres, dommage. Et on siffle dans le public parce que véritablement, on attendait le 10, elle n'a que 9,95. Enfin, 9,95, pas mal tout de même. Son exhibition est absolument parfaite. Bon, ben il manque 5 centièmes. En tout cas, ça va être l'heure des comptes après cette deuxième rotation. Et on va voir exactement où en sont les 4 ou 5 premières jeunes gymnastes de la... De ce concours général olympique. Elle a 59,300 grâce à ce 9,95. Et je pense que nous allons pouvoir maintenant vous donner le classement. Pour l'instant, Maxi Kno qui est toujours en tête. Et Yelena Davidova est passée en deuxième position grâce à cette exhibition fabuleuse. Alors que mine de rien, Nelly Kim revient, elle a eu elle aussi 9,95 au cours de cette deuxième rotation. Voici le classement d'ailleurs. Kim est donc troisième maintenant, alors que Nadia Comaneci rétrograde en quatrième position et que Eberle, à la suite de sa chute,
se retrouve, elle, en sixième position. Shapachnikova est en quatrième ex aequo pour l'instant avec Nadia Comaneci. Bien, ben voilà qui va nous donner une jolie suite. On se retrouve dans un petit moment pour la troisième rotation et même tout de suite si vous le voulez bien. Et le début de la troisième rotation avec tout de suite Emilia Eberle au sol. Emilia Eberle qui en a pris un sacré coup, si je puis me permettre l'expression, à la suite de sa chute à la poutre, puisqu'elle a été dépassée maintenant pour la cinquième place par une Allemande de l'Est, Steffi Kracker. On la regarde tout de même au sol. Elle est championne du monde de la spécialité tout de même, mais elle a beaucoup de retard. Ce qui fait la différence entre les Roumaines et les Soviétiques n'est pas la manière de faire de la gymnastique au sol, c'est vraiment le sourire. Et ça donne beaucoup moins de charme, beaucoup moins d'élégance à la prestation, même si techniquement elle est parfaite comme cette gars ici. Ça le fait très bien, elles le font toutes très bien d'ailleurs. Voilà, terminé l'exhibition d'Emilia Eberle, mais vous voyez peut-être qu'avec les mêmes gestes, il y a un petit soupçon de moins d'élégance, parce qu'il n'y a pas de sourire. Au saut de cheval, c'est la Britannique Suzanne Dando que vous venez de voir. Pas dangereuse pour le classement général, alors qu'on voit le double salto réussi par Emilia Eberle, qui attend sa note comme nous. Pendant ce temps-là, les autres compétitions continuent aux autres appareils, et l'on verra, voici 9,95 pour Emilia Eberle. 9,95, ça l'armait un peu en course, à condition que ses concurrentes fassent quelques bêtises, ce qui n'est pas évident. Oui, contente des 9,95, mais pas contente du total général. Et on la comprend. Un peu plus tard, au saut, nous verrons les deux soviétiques, Shapochnikova et Davidova, alors qu'au sol se présente la polonaise Malgorzata Maia. Et que tout de suite derrière elle, nous verrons celle qui mène actuellement le concours, qui ira au sol également, Maxi Gnoc. Alors que se prépare pour l'instant la concurrente numéro 10, qui est la Bulgare Sylvia Topalova. Alors qu'on tourne un petit peu dans tous les sens, là on ne sait pas trop où on en est. Bon, nous sommes aux asymétriques avec Suzanne Chisboro. Le réalisateur a préféré laisser la Bulgare, la Polonaise au sol et venir s'intéresser à la jeune Britannique. Ça nous permet de toute façon de constater déjà des petites différences de sexicité entre un pays qui apprend la gymnastique et d'autres qui la possèdent déjà parfaitement. Suzanne Chisboro. Elle n'avait obtenu que 8,60 hier lors des exercices libres par équipe. On a entreaperçu Zani, la hongroise, et nous revenons sur la Britannique, ici au ralenti. Suzanne Chisboro. Alors que la musique que vous entendez accompagne donc au sol la polonaise Maia et que tout de suite derrière nous verrons Maxi Knoch.
D'ailleurs, pendant ce temps-là, rassurez-vous, il ne se passe pas grand-chose d'intéressant. Non pas qu'il n'y ait pas de gymnastique, mais au niveau des concurrentes, nous nous intéressons particulièrement, bien sûr, à toutes celles qui peuvent faire quelque chose. Et dès que la note de la Polonaise aura été connue, la Polonaise qui vient de terminer son exhibition au sol, nous verrons au sol, donc, Maxi Knoch en tête, et qui mène très exactement maintenant devant la deuxième, donc la soviétique Yelena Davidova de 125 centièmes de points, troisième Nelly Kim à 150 centièmes, et quatrième ex aequo Nadia Comaneci et Natalia Shaposhnikova à 200 centièmes de points. C'est dire qu'il peut encore se passer des choses, mais qu'il me semble, pour ma part, que Maxi Knoch maintenant est bien parti pour être championne olympique. On va la voir tout de suite, elle vient de se présenter sur le sol, la voici. ...9,95 hier lors des livres, 9,90 lors des imposés. Elle ira bien sûr en finale par appareil, mais ici c'est le titre olympique qui se joue pour elle. Oh, que c'est beau, que c'est compliqué. Double vrille parfaitement réussi encore. Prend son souffle pour la troisième diagonale et la dernière. Ah, ça va dans tous les sens et c'est super bien réalisé. Terminé pour Maxi Knoch qui s'en est parfaitement sorti et qui va encore obtenir une excellente note qui ne devrait pas la mettre en danger. Les exercices au sol, maintenant, s'accompagnent donc d'une musique enregistrée. Ce n'est plus le piano mécanique de nos ancêtres. Et vous avez vu comme ça donne de l'ambiance générale à l'exercice de la gymnaste. Tout est devenu double d'amplitude au niveau de la qualité. Ce double salto groupé, merveilleux. Seul, sans musique, c'est beau, mais avec de la musique, c'est encore mieux. Et 9,95. Bien. Eh bien, écoutez, il ne reste plus qu'une rotation. Je crois que les choses sont entendues. Il peut toujours y avoir une chute, toujours un mouvement raté. Ce qu'il reste à faire pour Maxi Knoch, pour l'instant, c'est le saut de cheval. Un saut, ça peut se rater. Mais je crois que la chose est entendue. On regarde le saut de Katarina Rensch. L'Allemande de l'Est, bien placée aussi au classement général. Mais la meilleure Allemande de l'Est pour l'instant, c'est Steffi Krecker. Voici maintenant, au saut de cheval toujours, Shaposhnikova. Merveilleuse Tsukahara, fort bien réussi pour elle, très bien. Shaposhnikova qui est passée à la quatrième position, je vous le rappelle. Qui va tenter maintenant un deuxième saut. Thank you.
On revoit en tout cas le premier. Un Tukahara et une réception pratiquement parfaite de Shoposhnikova. Mais pas très bien coté, 9,75 seulement pour son premier saut. Shoposhnikova qui était en tête à l'issue de la première journée, peut-être le savez-vous, à l'issue des exercices imposés, qui avait obtenu précisément un 10 au saut. Mais qui avait été un peu moins bonne lors de la deuxième journée. Et qui est finalement en train de perdre petit à petit des places par rapport à sa prestation de la première journée. Deuxième saut. Ah, elle a changé la difficulté. Cette fois, il s'agit d'un saut avec une vrille. L'entraîneur des Soviétiques s'occupe d'elle. Regardez la détermination. On voit toujours dans le ralenti la farouche volonté des gymnastes. Voici la vrille de Shoposhnikova avec une réception qui n'est pas très parfaite, mais tout de même 9,90 cette fois. Et c'est cette note-là qui comptera. Au cours de cette troisième rotation, nous attendons encore la prestation, bien sûr pour le podium et pour le titre, de Yelena Davidova. Nous verrons tout de suite après cette jeune fille, c'est-à-dire Galina Marinova, qui s'élance pour son premier saut. Mais aussi la prestation de Nadia Comaneci, qui ira tout à l'heure, et même dans un tout petit instant, aux barres asymétriques. Et qui sera attendue avec beaucoup d'impatience à cet appareil. Car de sa prestation dépend sa place, encore que je pense que maintenant elle ne peut plus être médaille d'or. Mais on voudrait savoir si elle va faire oublier sa chute d'hier. Un double saut groupé pour Galina Marinova. 9,90 donc pour le saut tout à l'heure de Shoposhnikova. Et le deuxième saut maintenant de Marinova, la Bulgare. Et tout de suite derrière, Davidova qui est passée en deuxième position. Qui n'est sûrement pas la soviétique que l'on attendait, alors que Kim se rapproche donc, puisqu'elle est troisième maintenant à 150 centièmes seulement de Gnouk. Tout se jouera sur la dernière position. Mais quand on sait que Gnouk a réalisé lors de ses deux premiers sauts 9,95 et 9,90, on ne voit pas très bien comment elle pourrait le rater aujourd'hui. Enfin, ça peut toujours arriver. Quelle surprise en tout cas. La voici Davidova qui se présente pour le saut. Alors que la concurrente précédente a obtenu 9,55. Et qui souffle un grand coup avant de s'élancer. Elle joue une médaille d'argent. Ah, un exercice très, très particulier. Une difficulté tout à fait étonnante réalisée par Davidova. C'est un renversement avec un tour complet pendant le premier envol. C'est ce que faisait Olga Korbut. Il y a longtemps qu'on n'avait pas vu un tel saut. Les jeunes filles font maintenant ce qu'on appelle les Tsukahara. C'est-à-dire qu'on se retourne plutôt après. Elle se retourne avant. Regardez. Et elle revient en bonne position. On va attendre sa note. 9,90 semble-t-il. Oui, 9,90. Elle reste dans le coup.
C'est incroyable comme toutes les filles se suivent. Pendant 3 jours. Deuxième saut, le même. Peut-être un tout petit peu moins bien à la réception. Mais je ne suis pas juge. C'est très original. David Deva est la spécialiste des... non pas des innovations, mais des choses que l'on n'attend pas. 9,90 pour le deuxième. Il n'y a pas de jaloux, c'est 9,90 donc qui compte. On siffle dans le public. Alors que nous allons passer tout de suite au sol pour découvrir l'une des petites merveilles de la gymnastique mondiale, surtout sur cet exercice, Nelly Kim. Elle est championne olympique de la spécialité, championne olympique sortante. Elle est aussi, mais ça vous le savez, championne du monde. Quelle grâce. Accompagné par les spectateurs soviétiques, ce qui est rare. Ça se fait beaucoup aux États-Unis, mais pas ici en principe. Ça ne se fait qu'après. Mais c'est une image du sport soviétique. Et une belle. Pendant ce temps-là, et vous entendez les applaudissements, Nadia Comaneci est passée aux asymétriques. Je peux vous dire qu'elle n'est pas tombée. Et je dis ça au moment précis où Kim tombe, elle. Le réalisateur a choisi de nous faire voir Nelly Kim. Il ne pouvait pas faire les deux en même temps, bien sûr. Peut-être verrons-nous Comaneci tout de suite après. Et au moment précis où je disais que Comaneci n'était pas tombée, Kim est tombée, elle. Va-t-elle garder sa troisième place? Ou est-ce que cette fois, voici Comaneci, avec un saut au-dessus de la barre, un changement de barre. On attend deux notes capitales. Allez donc savoir ce qu'elle pense. Est-ce qu'elle est contente ou pas? Qu'elle réussisse ou pas? Le visage ne change pas. Dit! À regarder comme son ami Dunka est étonné, mais pas elle. La surprise est venue de son ami Rodica Dunka. Quant à elle, elle n'a pas bronché. Voilà qui compense largement la chute d'hier, mais est-ce que ce sera suffisant? Alors là, c'est passionnant, les comptes vont être serrés et on se demande bien ce qui va se passer maintenant. Tiens, on attend toujours la note de Nelly Kim qui, à la suite de la petite erreur qu'elle a faite sur le sol, ne va sûrement pas être très bien payé, pas très mal, mais pas très bien. Et du coup, de toute façon, Comaneci va sûrement lui repasser devant. Et elle va se rapprocher de 10 centièmes de Maxi Knoke. Je vous dis ça de tête car je compte très mal. Ce sera beaucoup mieux avec un bout de papier tout à l'heure. Mais je préfère attendre la note de Kim et vous donner un résultat complet. Mais si vraiment il y a 10 centièmes d'écart entre Knoke, ce que je crois, hein, 10 centièmes d'écart entre Knoke et Comaneci avant la dernière épreuve, ça va être quelque chose. Elle doit passer en tout cas devant Kim qui a mal au pied. Elle s'est blessée probablement sur sa chute. Sûrement pas très grave. Mais il est sûr que les chevilles en prennent un grand coup sur ce genre d'exercice. Et on attend la note.
Le public aussi attend la note. Les entraîneurs soviétiques attendent la note et nous attendons la note. Et on voudrait bien la voir vite pour faire des comptes aussi rapides et pour savoir exactement quelles sont les positions à l'heure actuelle. Alors que les comptes que nous faisons, nous, pour l'instant, nous laissent supposer qu'en réalité, l'écart serait entre Maxi Knook et Nadia Comaneci de 150 centièmes. Il faudra voir aussi l'écart avec Davidova, qui ne doit pas être bien loin non plus. Ah, il est sûr que cette petite erreur de Kim laisse les juges perplexes. Attente longue, éprouvante pour tout le monde, en particulier bien sûr pour les quatre jeunes filles qui sont en tête du concours pour l'instant. Un plan général du palais des sports du stade de Lénine de Moscou qui contient 12 000 spectateurs. Ce soir, le gymnase et cette salle donc est presque pleine. Je dis bien presque, il y a quelques places vides, mais c'est la première fois que je le vois aussi plein depuis le début de ces compétitions de gymnastique. Mais on savait de toute façon que c'était la compétition la plus intéressante depuis le début des événements, avec ceux qui se dérouleront demain bien sûr, c'est-à-dire les finales par appareil. Hommes d'abord dans l'après-midi et soir ensuite, que nous vous retransmettrons en différé d'ailleurs dans la journée de samedi. Et Nelly qui m'attend toujours, et nous aussi. En tout cas, les prestations des gymnastes soviétiques au sol sont tout à fait remarquables. Ça tient de la gymnastique, bien sûr, mais ça tient aussi beaucoup de la danse. Il y a une chorégraphie remarquable faite par les entraîneurs soviétiques. Et l'on s'impatiente beaucoup partout. En tout cas, le disque réalisé par Nadia Comaneci nous réconcilie, encore qu'on n'a jamais été fâché avec elle, mais nous réconcilie avec sa manière extraordinaire de s'acquérir cet appareil. Et il faut savoir bien sûr que lors de la quatrième et dernière rotation, Comaneci sera sur ce qui est quand même son engin favori, la poutre. Ça s'éternise. Les soviétiques, elles, Shapochnikova et Davidova seront lors de la quatrième rotation aux parts asymétriques. Mais Davidova a réussi hier 9,90 aux asymétriques, alors que Shapochnikova a réussi 9,80. Et alors que le tableau où l'on devrait lire la note réalisée par Kim vient de s'éteindre, ce qui n'arrange pas nos affaires. Et Kim, elle, se retrouvera au saut de cheval pour sa quatrième et dernière rotation.
les applaudissements que vous entendez vont à une concurrente que vous ne voyez pas, qui est une représentante de la Mongolie. Aïe, 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 voilà la note de Kim. 9,45. Ah bien, non seulement elle a perdu la troisième place, mais elle va en perdre d'autres. Nous sommes en train de faire rapidement les calculs pour vous donner le classement à l'issue de cette troisième rotation et avant de passer à la quatrième. Mais d'ores et déjà donc, il semble que Max Dignoc garde la tête, alors que la deuxième serait Nadia Comaneci, que la troisième est Yelena Davidova, la quatrième Natalia Shaposhnikova et la cinquième Emilia Eberle, Kim étant septième. Alors qu'au sol, nous découvrons la dernière concurrente de cette rotation, Marina Sulikic, australienne. centième d'écart entre Gnoke et Comaneci. Est-ce qu'elle peut remonter? Tout dépend de la prestation que l'une et l'autre feront, mais ça me paraît bien difficile. Je ne pense pas que Gnoke puisse rater son saut de cheval au point qu'elle puisse perdre 15 centièmes de seconde sur Nadia Comaneci, même si elle résiste à la poussée. Sur la quatrième rotation, alors que vous voyez une concurrente qui vient de tomber, alors que tout de suite va se présenter, la voici, Maxi Knoch pour son saut de cheval. Alors donc, elle est en tête du concours devant Nadia Comaneci, qui est à 150e de points, Davidova 3e à 175 centièmes de points, et Shaposhnikova 4e à 250 centièmes de points. Et c'est quand on aura la note de Knoch qu'on y verra déjà un tout petit peu plus clair, car on saura ce que devront faire les autres concurrentes. En avant pour le premier tour, pour le premier saut. Bien écoutez, je crois que c'est réglé. En tout cas, parfaitement réussi de la part de l'Allemande de l'Est. Et je vois vraiment pas comment elle pourrait mal coter. Il faudrait, pour que Comaneci ait une chance d'être première ex aequo, que Gnoc fasse 9,85. Oh! 9,70. J'avoue que je ne comprends pas très bien car son saut est très bien réussi et ça vaut sûrement beaucoup plus que 9,70. On va voir le deuxième. Je récapitule ce que j'étais en train de vous dire car ça peut être intéressant. 9,85, elle peut encore terminer si elle fait 10 bien sûr, Nadia Comaneci. Premier ex aequo. Si elle fait moins de 9,85, Comaneci peut être médaille d'or. Et si elle fait 9,90, Comaneci a perdu et ne sera qu'au mieux deuxième. Deuxième saut de Gnoc. Ah, il n'est pas bien réussi celui-là en revanche. Mais je trouve que le premier a été vraiment sous-coté. En tout cas, ça nous promet un bon final. 9,65, oui, aïe, aïe. Incroyable, incroyable et injuste. Oh là là, 9,70 donc pour Gnoc. Alors voilà qui remet évidemment toutes les choses en question. Elle ne sera pas championne olympique, sûrement pas.
Alors que Natalia Shapochnikova se présente maintenant aux barres asymétriques. Elle est quatrième à 250 points de Gnauk. 250 centièmes de points de Gnauk. Ça nous fait plaisir. Elle est heureuse, son entraîneur aussi. Et elle salue le public, son public. Reste à savoir si elle pourra monter sur le podium, ça c'est moins sûr. On la revoit. Sous les succès du public. Elle va avoir du mal à monter sur le podium, ça dépend évidemment de ce que feront Davidova et Comaneci, mais avec la, j'allais dire, la mauvaise prestation, en tout cas la mauvaise note de Gnauk, elle va se rapprocher d'elle. Mais je pense qu'elle va rater une marche du podium. Alors évidemment, le problème se pose du saut de Gnauk, s'il était bien coté ou pas. Ça dépend tellement du nouveau règlement, où l'on veut que maintenant le saut parte à 9,50, qu'on lui donne 20 centièmes de plus pour le risque, 20 centièmes de plus pour l'originalité, et puis 10 centièmes pour une difficulté supplémentaire. Bien, mais ça c'est le règlement. Alors est-ce que quelque chose n'allait pas là-dedans? Les juges, évidemment, les spécialistes S-Gymnastics qui font ça toute l'année, voir peut-être des petites choses que nous, de là, et même sur notre appareil de télévision, nous ne voyons pas. Mais vraiment, ce 9,70 du premier saut me paraissait très mal coté. Alors, qu'à la poutre, pour l'instant, nous découvrons une jeune fille qui marche bien dans ce concours général et qui remonte petit à petit, c'est Stéphie Kraker. Entre Gnauk et Shapochnikova, effectivement, il y a maintenant 5 centièmes d'écart. Mais il faut attendre la suite des opérations. Et nous avons encore à voir au saut de cheval Lady Kim. Aux barres asymétriques, Yelena Davidova. Et puis donc à la poutre, Nadia Comaneci. Terminé pour Stéphie Kraker, qui pour l'instant est fort bien placée. Elle doit être en 6 ou 7e position. Alors qu'un calcul mental que j'ai essayé de faire le plus rapidement possible, et j'ai parfois du mal à le faire, mais je vais essayer tout de même, à moins de 9,85, Nadia Comaneci perd. À 9,85, elle est ex aequo avec Gnauk, et à 9,90, elle est médaille d'or. Alors, comment Nadia Comaneci pourrait-elle ne pas faire 9,90 à la poutre? C'est évidemment la question qu'on se pose. Elle peut toujours tomber, ça lui est arrivé hier aux asymétriques. Mais logiquement, c'est la chose qui ne paraît pas possible. Et alors que vont se présenter maintenant, et pratiquement simultanément, que va choisir le réalisateur? Davidova aux barres asymétriques et Nadia Comaneci à la poutre. Non, ce n'est pas tout de suite au tour de Comaneci. Elle a encore une ou deux concurrentes devant elle et nous allons donc voir Davidova aux asymétriques. Très bien. Mais Kim se présente au saut là-bas. On vous tiendra au courant de sa note, mais elle n'est plus dangereuse pour le podium de toute façon. Regardons Davidova.
pirouette très bien réussie par David Deva. Et on attend la sortie avec un double salto, s'il vous plaît. Au-dessus de la barre, très très bien fait. Elle va obtenir certainement une note excellente. Elle avait obtenu 9,90 hier et elle salue elle aussi le public soviétique avec un sourire. La joie des soviétiques fait vraiment plaisir à voir. Elles étaient heureuses hier à l'issue de leur victoire par équipe. Et elles sont heureuses ce soir. Elle est sur le podium. On ne sait pas encore sur quelle marche. Nelly Kim a fait 9,70 pour son premier saut. On revoit David Deva et son franchissement de barre. Et on voici maintenant Nelly Kim pour son deuxième saut. 9,70 au premier. Non, pas très bien réussi. Dans l'ensemble, Kim aura raté son concours général. Elle avait pourtant réussi à remonter tout à l'heure à la troisième place. Mais les deux derniers appareils lui ont été fatales. Notamment le sol tout à l'heure. Et on attend toujours la note de David Deva. Zucara tendu, mais une mauvaise réception. 9,65 seulement, elle aura 9,70 et elle risque de se faire passer par une Allemande de l'Est, notamment Steffi Kracker. Kracker finalement risque de passer et Nelly Kim et Emilia Eberle. Mais ni l'une ni l'autre n'iront sur le podium. Alors que sur le sol pour l'instant, il y a quelqu'un que j'aurais bien aimé voir, mais nous ne la voyons pas, tant pis. C'est la jeune tchécoslovaque Jana Labakova. C'est une petite merveille. 9,95 pour David Deva. Ah, ça va être très difficile quand même pour Gnouk. Il faut faire des calculs, voir si elle ne passe pas Gnouk par hasard. Et entre Comaneci et David Deva, il n'y a que 25 centièmes d'écart. 25 millièmes d'écart, pardon. 2,5 centièmes. Et Davidova passe en tête. Elle bat Gnouk. Ah, la pauvre Allemande de l'Est, là. Davidova passe en tête. Deuxième Gnouk pour l'instant. Et il faut que Comaneci fasse 9,95, je pense, pour être médaille d'or. Ah, ça va être beau à regarder. Au saut de cheval, nous retrouvons l'Australienne Marina Sulikic. Alors que dans un instant, nous allons avoir la solution de tout ce grand problème qu'a constitué le concours général, un problème sympathique bien sûr. De calculer quelle est la note exacte qu'il faudrait que Nadia Comaneci fasse pour passer devant Davidova. 9,90. À 9,90, elle doit gagner. Oui, c'est ça, puisque elle aurait été première ex aequo avec Maxi Gnouk si elle avait fait 9,85. Et donc, elle gagne dans tous les cas. Elle fait 9,90. Alors voilà, le problème est posé, tandis que nous voyons Emilia Eberle qui se prépare au saut de cheval. Eberle qui n'est plus dans la course pour le podium. Et alors que sur le sol, c'est Erika Fanders, la Hongroise, qui en termine de son exercice.
toutes ses concurrentes étant toutes bien placées dans les 10-12 premières. Mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est de savoir ce que fera tout de suite après Emilia Eberle au saut de cheval et tout de suite après Anita Jokiel, qui pour l'instant est sur la poutre, ce que fera Nadia Comaneci à 9,85. Elle est battue à 9,90, elle gagne. Alors on pourra peut-être interroger longtemps sur ce fameux saut de Max Vignoc. Voici Eberle pour son premier saut. Avec une mauvaise réception. Mais Eberle est maintenant beaucoup plus loin, elle est 5 ou 6e. David Ozava, assuré d'une médaille d'argent. Et Gnouk, pas assuré du tout d'une médaille de bronze. Pour l'instant. Emilia Eberle a eu 9,60, vous le voyez, pour son premier saut. Mais logiquement, et si tout se passe bien pour Nadia Comaneci, on devrait avoir dans l'ordre. Tant pis, je me lance. Première, Nadia Comaneci. Deuxième, Yelena Davidova. Et troisième, Max Vignoc. Deuxième saut de Eberle. Aussi raté, même un peu plus que le premier, me semble-t-il. La Roumaine n'est pas du tout dans le coup ce soir. Le pari de Comaneci est simple. Il faut qu'elle réussisse 9,95 à la poutre et elle deviendra championne olympique. C'est presque la perfection, si elle existe. Et les juges de discuter. Et Comaneci de penser, ça vaut un 9,95, non? Nerveuse, angoissée, Nadia attend. N'étais-je point parfaite? Davidova aussi attend. Reçoit une bise de Kim. Davidova a gagné. 9,85 pour Comaneci, elle est deuxième. Nadia est triste. Étrange cuisine.